Madame, Messieurs, merci de nous rester fidèles et suivre ce magazine Kiosque. Toutes nos excuses pour ce grand retard avec lequel nous débutons ce magazine Kiosque. Comprenez, les invités sont aussi candidats. Alors, ils ont fini leur campagne électorale hier, un peu fatigués. Ils sont là avec nous, mais avec ce grand retard, toutes nos excuses, Madame, Messieurs. Nous sommes à un jour de la tenue des élections du 20 décembre 2023. Aujourd'hui, c'est le 19 décembre 2023. Et la grande question, est-ce que Denis Kadima va relever le défi en organisant les élections demain, 20 décembre 2023? Nous allons analyser et commenter avec nos invités dans ce plateau de Kiosque. La campagne électorale a pris fin hier à minuit. C'était la fin de la campagne électorale. Et puis nous allons analyser aussi le déroulement. Est-ce que c'était timide hier ou pas? Comment est-ce que vous avez été en jugé ou analyse le déroulement de la campagne électorale? Et bien, ils vont en parler tout au long de ce magazine Kiosque. Et puis, le message de candidat président de la République lors de la clôture de la campagne électorale. On a suivi le message de Fayulu, Moïse Katumbi et aussi du chef de l'État candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi. Qui était à Sainte-Thérèse, à Ndjili, face à la population, face à une foule nombreuse. Félix Tshisekedi a, au sujet de la guerre à l'Est, indiqué qu'à moindre escarmouche, il va réunir les deux chambres du Parlement en congrès pour déclarer la guerre à la République, au Rwanda, pour déclarer la guerre au Rwanda, pour avoir bien sûr l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. En tout cas, c'est la phrase qui fait grand bruit ce matin. Nous allons en parler avec nos invités. Nous allons également revenir sur les révélations faites par le vice-premier ministre, le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, selon lesquelles le candidat numéro 3, Moïse Katumbi, tenterait de pirater le service informatique de la Commission électorale nationale indépendante. Madame, Monsieur, c'est ça le sommaire du Kiosque. Ce matin, nous avons deux invités. Alors, il y a Gandhi Bokabo. Gandhi Bokabo, bonjour. Ça va? Et est-ce que, comment a été la fin de la campagne, puisque vous êtes candidat? Ouais, on est obligé de travailler jusque très tard, puisque, compte tenu des règles qui nous ont fait, il fallait à minuit, avec tout ce qui est promotion, tout ce qui est par rapport à ce par rapport à aux autres, notamment moi, qui m'a fait considérer aussi comme candidat. Non, il ne faut plus en parler. Il faut plus en parler parce que la campagne est finie. Non, voilà. Je ne parle pas, je dis simplement que tout ce qui est à ça également. Donc c'est très fatigant. Très fatigant. On le ressent même au travers de la voix. Mais je pense que c'était pour une bonne chose. C'était pour une bonne chose, une bonne cause. Espérons que les choses se déroulent normalement jusqu'à la fin de ces élections dans quelques heures. Donc on a moins d'une journée, puisque les élections démarrent demain à 6 heures du matin. Donc on est à quelques heures avant les élections. Donc l'heure des vérités va bientôt sonner. Mais c'était un peu timide hier soir. Oui, contrairement à... C'est quoi la raison selon vous? La raison c'est qu'il y a eu moins d'engouement par le fait déjà les candidats, la plupart des candidats n'ont pas eu de moyens importants pour pouvoir organiser les du moins cette propagande. Nombreux sont ceux qui, avec des moyens de bord, ont essayé tant bien que mal de pouvoir le faire. Les partis politiques ont eu du mal à libérer les moyens pour pouvoir faire la propagande. Entre autres, je pense que c'est dû à ça. Et puis, à la fin, il y a des gens qui ne croyaient même plus. Il y a des gens, pour moi, qui, à un moment donné, j'ai discuté avec certains, qui ont enlevé même tout ce qu'ils avaient à placarder. Ils avaient commencé à enlever eux-mêmes, puisqu'ils n'avaient plus confiance en eux, plus confiance en personne, en fait. Mais ceux qui croient encore à la CENI, ils sont restés dans la course. Oui, la CENI, c'est pas une histoire de croyance. La CENI a commencé son travail avec 28 mois de retard. Voir les prouesses qu'ils ont essayé de mettre en place pour pouvoir arriver même à quelques heures de jour J. Moi, je pense qu'ils ont fait des prouesses. Il y a eu des prouesses réellement. Maintenant, il reste la deuxième partie
pour concrétiser cela sur le terrain, c'est-à-dire demain, à partir des 6 heures du matin, la concrétisation se passera non seulement avec les gens de la CENI, mais aussi avec les représentants des partis politiques qui seront témoins dans les différents bureaux de vote, puisque c'est là que maintenant les choses essentielles vont se dérouler, à savoir les témoins vérifieront si les choses se passent dans la régularité. À la fin aussi, quand il y aura comptage des bulletins, ils vont compter avec les gens de la CENI. Si il y a vérité, ils auront leur PV contresigné avec les gens de la CENI. S'il y a maintenant des revendications à apporter, ben, ce sera fait compte tenu des éléments contresignés par les uns et les autres. Voilà, donc, je pense qu'on va vers beaucoup plus de clarifications que par le passé. Nous allons revenir à vous sur l'assurance de la tenue des élections. Est-ce que tout a été réuni, toutes les choses sont réunies, déploiement, déploiement, formation même de personnel. C'était terminé hier. Ou alors là où c'est pas fini, ce sera aujourd'hui complètement fini. Pas là, va vite. Hein. Non, ben, la plupart des gens qu'on va prendre, c'est des gens qui ont au moins un minimum de connaissances dans ce genre de gestion. Il y a des gens qui ont participé à l'enrôlement, donc ils connaissent partiellement ou totalement le mécanisme. Donc ça, ces formations, c'est des formations de 24 heures, c'est suffisant. Voilà. Merci Gandhi Bokabo. Alors vous serez face à Fabrice Pelende, à qui je dis bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Je salue également mon collaborateur avec qui j'ai le plaisir de partager ces plateaux. Je salue le peuple congolais qui, par occasion, nous suit en ce moment. Je salue l'équipe technique qui va nous accompagner tout au long de l'émission. Je salue évidemment le président du mouvement de libération du Congo, le président Jean-Pierre Bemba, et tous les sympathisants et cadres du MLC qui nous ont toujours accompagnés dans cette lutte. La campagne a pris fin hier, ce qui est vrai. Nous avons eu le temps, comme on le dit dans les jargons courants, de mouiller les maillots. Nous l'avons fait malgré la précarité des moyens, comme l'a soulevé mon co-débatteur, ce qui est vrai. Les candidats se sont butés à un problème sérieux des finances. Et l'engouement que nous avons toujours eu l'habitude de voir au travers les échéances passées, c'est-à-dire il y a une certaine différence. Ce qui est vrai, les gens n'ont pas été dans des conditions... c'est-à-dire structurel, pour que cette élection soit vraiment comme nous l'avons envisagé. Mais du moins, nous avons quand même fait ce que nous avons pu. Concernant la CENI, jusqu'à preuve du contraire, la CENI a respecté son calendrier. Nous estimons que demain, il y aura bel et bien élection et que ce seront des élections. Vous espérez. Mais nous espérons, puisque ce qui est vrai, même au niveau des partis, il y a eu beaucoup d'attentes, mais peu de satisfaction. Mais s'il fallait attendre, c'est qu'on serait dans un retard par rapport à cette course. On a quand même essayé de faire ce que nous avons pu faire. Donc, je l'ai dit encore, nous espérons que demain, il y aura des élections conformément à ce qui a été projeté au calendrier et conformément à la constitution de notre pays. Nous voulons aller vers un nouveau dynamique, un nouveau système politique à travers des animateurs nouveaux. Vous savez que nous sommes, nous, toujours au chevet de l'action politique. Et de l'actualité politique, nous avons toujours analysé les questions de l'heure, les questions pertinentes par rapport à tout ce qui entoure la République démocratique du Congo et son épanouissement. Donc, le peuple congolais qui nous a vus en œuvre, le peuple congolais qui connaît le combat qu'a mené Maître Fabrice Pelende à travers le MLC, et nous sommes confiants que la volonté du peuple va se manifester au travers des élections de demain, sans pour autant entrer en campagne, sauf puisque hier, c'était la fin et on a eu le temps de faire tout ce qu'on pouvait. Donc, que le peuple congolais soit paré à toute éventualité, puisqu'il y a un communiqué de la CENI qui confirme que demain, il y aura les élections. Déjà à partir de 7 heures, les gens doivent se rendre massivement aux urnes et voter les candidats de leur choix, afin que ces nouveaux dynamiques que nous espérons, aujourd'hui, nous voulons parler du développement, qu'il y ait un renouvellement de la classe politique, qu'il y ait une jeunesse en termes de représentativité du peuple au Parlement et un gouvernement qui incarnera également cette jeunesse où nous aurons des actions nouvelles, puisque ce qui est vrai, il y a une partie du combat, une partie du combat qui a été menée, c'est-à-dire une bataille a été gagnée, c'est-à-dire récupérer l'impérium du peuple, et il reste aujourd'hui récupérer le pouvoir du peuple à travers les représentants du peuple qui sont les souverains primaires à travers les députés. Alors un jour, il y a encore le doute, hein, beaucoup continuent à douter encore à un jour de la tenue des élections, M. Fabrice
Pélindé, la CENI, je suis vie, hein, par rapport au déploiement, on dit même qu'il y a les hélicoptères qui viennent du Congo-Brazzaville. Exact. Pour parer à ce problème de déploiement, est-ce que on peut rester calme et que demain, voilà, il y aura élection? Nous avons le bénéfice du doute, le fait que, jusqu'à preuve du contraire, la CENI n'a pas encore violé son calendrier. Alors, on ne voit pas comment, tout au dernier moment, les derniers jours, les derniers virages, il pourrait y avoir des contrevenances. En tout cas, je suis optimiste qu'il y aura des élections, et des élections conformément, comme je l'ai dit, aux lois de la République, c'est-à-dire la Constitution. Donc, attendons voir, tout a été dit, tout a été fait, il ne reste qu'aller aux urnes, et c'est pour demain. Nous espérons que ça se passera avec sérénité, dans de bonnes conditions, et le résultat qui suivra sera un résultat qui sera conforme à la volonté populaire. Gandhi, est-ce que les élections, oui, nous aurons des élections, on parle du déploiement des kits, hein, avec l'hélicoptère de Congo-Brazzaville, c'est deux ou trois comme ça qui viennent en rescousse. Est-ce qu'à la dernière minute, est-ce que vraiment, on ne peut pas dire comme d'autres certains observateurs qu'on n'aura pas des bonnes élections? Des bonnes élections, ben, ça ne se voit pas au départ, à moins d'avoir une boule de cristal devant soi pour savoir ce qui va se passer. Les bonnes élections... Le contour même de l'organisation. Les bonnes organisations, c'est à la fois le rôle de la CENI, mais c'est aussi le rôle des partis politiques et des citoyens. Qu'est-ce qu'on appelle bonnes élections, puisque tout le monde en parle? Bonnes élections, pour moi, c'est le jour où il y a élection, que les citoyens qui vont mettre leur bulletin dans l'urne, que quand on va comptabiliser, que ce soit ce qui est dans l'urne, qui soit comptabilisé par... ce qui est mis au niveau des manigances, que ce soit auprès de la CENI ou d'autres institutions. Donc, le regard du citoyen le jour des élections, c'est ça qui est déterminant, qui peut être déterminant. C'est-à-dire, ils sont là pour vérifier, au-delà des observateurs qui ne voient pas comme eux, ils doivent regarder et contresigner le PV après qu'on ait décompté les bulletins. Donc, c'est là que l'essentiel se passera. Moi, je pense qu'il y a eu trop de bruit sur beaucoup de choses en disant qu'il ne respecte pas le calendrier, il ne fait pas ci. Il les a pris à contre-pied. Il y aura des élections, mais maintenant, leur rôle, c'est dans quelques heures, dans moins de 24 heures, c'est à eux de montrer qu'ils sont à même d'avoir des militants qui soient à même aussi de pouvoir jouer leur rôle sur le terrain. Le comble, c'est que, comme nous, la plupart des candidats à ces élections-là, on n'a pas eu de moyens. Souvent, on a fustigé le gouvernement en disant qu'il ne donne pas le moyen à la CENI. On a vu devant les piloris, nos partis, la plupart des partis, je ne dis pas tous les partis politiques, la plupart des partis politiques n'ont pas donné des moyens à leurs candidats de pouvoir faire une bonne propagande. Mais ça pose un problème. On dit souvent que la critique est aisée, l'art difficile. Confronté à la réalité du terrain, aujourd'hui, nombreux parmi nous sont allés aux élections sans avoir un penny de partis politiques, sans avoir 100 dollars de partis politiques, et ça pose un problème. Comment est-ce qu'on peut avoir ces gens-là qui seront élus, ou ces partis politiques, d'où viendront les ministres, d'où viendront les mandataires, etc. Est-ce qu'on peut faire... Moi, je poserais beaucoup plus le problème de l'après-élection. Les élections, c'est le moindre mal, même si ça se passe bon an, mal an, pas toujours à 100%. Nous souhaitons que ça soit au moins à 80 ou 90% des bonnes élections. Mais moi, ma peur, c'est plutôt après les élections. Qui va être coopté comme ministre, comme mon collègue Fabrice Pelinda disait. Moi, je m'inscris toujours en faux par rapport aux gens qui mettent le jeunisme avant toute chose. En disant avec les jeunes ou avec la femme, c'est des discours que moi, je ne comprends pas, je n'accepte pas. Puisque quand on regarde le cas de notre pays, 60 jusqu'à ces jours, c'est la plupart des jeunes qui ont géré ce pays. Mobutu n'avait pas, avait à peine 30 ans. En 60, il a fait son premier coup d'État. Le Tshisekedi avait une trentaine d'années. Le plus vieux, je crois, avait une quarantaine. C'était le président Kassamou. La plupart, c'était des jeunes. Mais aujourd'hui, on a eu aussi. Mouzé a eu, on peut dire, puisque c'est tourné autour d'une quarantaine d'années, c'est toujours plus ou moins des jeunes. Mais le problème n'est pas là. Posons le problème. Qu'il y ait des jeunes, oui, c'est important qu'ils participent. Qu'il y ait des femmes, oui, il faut qu'ils participent. Qu'il y ait des vieux, oui. On a besoin de toutes ces générations, de tous les gens, comme on dit. Mais simplement, il faut inscrire dans notre démarche
que ce soit au niveau des partis politiques, que ce soit ceux qui seront au gouvernement et ailleurs, des valeurs. Il faut se battre à partir des valeurs. Il ne faut pas se vendre comme j'ai vu des écriteaux, la femme c'est ci, le jeune c'est là. Non, mais nulle part j'ai vu très rarement des valeurs inscrites au fronton de toutes ces propagandes-là. Donc nous devons travailler à partir sur base des valeurs. S'il n'y a pas de valeurs, on tournera en rond. Et ma peur serait que d'ici quelques années, on devienne comme l'Haïti. Haïti, ça fait 200 ans qu'ils sont indépendants. Ils sont nulle part. Ils sont même à un niveau plus bas par rapport à nous. Mais sinon, on ne fait pas attention. On commence à naviguer par rapport à oh, donc je suis chrétien, je suis femme, je suis jeune. Ce n'est pas ça qu'on demande aux candidats. Ce n'est pas ça qu'on demande aux autorités. C'est de défendre des valeurs. Parmi ces valeurs-là, moi, j'en ai trois que j'ai toujours inscrits. Et j'ai toujours dit, à savoir les trois S, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Et souvent, c'est le savoir-être qui manque à nos Congolais. Ils ont des fois des compétences, ils ont le savoir, ils ont des compétences. Mais arrivant au troisième S qui est le savoir-être, qu'on dit en Lingala Bomoto, c'est ce qui manque souvent. Battons-nous pour des valeurs, ne nous battons pas par rapport à l'âge, voilà, ni par rapport au sexe. Alors, je reste d'abord avec vous. Les élections, oui, vous avez dit qu'on aura demain, parce que la CENI aussi a rassuré, mais il y a cette dénonciation à la veille même de la tenue de ces élections. Oui. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, qui a dénoncé une tentative de fraude, de manipulation, du système informatique de la centrale électorale par un candidat, Moïse Katumbi, s'il faut le dire. Comment est-ce que vous avez perçu cette dénonciation? Moi, je pense que c'est arrivé à bon escient. J'aime bien la façon d'être, puisque le savoir-être, la façon d'être de notre ministre, vice-premier ministre, ministre de la Défense. J'aime bien sa façon d'être, ses interventions. Là, il a dit à bon escient, dans le sens où ce n'est pas la première fois. On a vu même pour les élections américaines. Le président qui était au pouvoir à l'époque, qui devait se battre pour les élections avec John Biden, celui qui est au pouvoir actuellement, M. Trump, il faut que je cite son nom. Il avait aussi des accords avec des organismes russes pour pouvoir truquer et tronquer les élections aux États-Unis. Donc ce n'est pas du nouveau. Ce n'est pas du nouveau, mais c'est bien d'avoir crié. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a bien fait de pouvoir le dire. Il faut que les élections se gagnent sur le terrain. Et moi, je pense que même prochainement au niveau de la loi, on doit tenir compte non seulement de ce qui est au niveau des machines, mais on doit mettre ça plus en avant. Les bulletins qu'on a comptabilisés, puisque les bulletins feront en sorte que même s'il y a des gens qui manipulent ou qui auront à manipuler nos machines, on aura le truc physique, c'est-à-dire des bulletins papier qu'on va comptabiliser plus que ce qui est au niveau des machines. Donc il a bien fait. Moi je vais les tracer sur avec trois points bien noirs. Vice-ministre, premier ministre, ministre de la Défense, bravo. Il a bien fait de dénoncer. Alors vous avez dit, vous avez cité les États-Unis, ça s'est passé comment aux États-Unis? C'est pareil. Éclaircir un peu, ouais. Mais c'est dans le même système tel que le vice-premier ministre, ministre de la Défense l'a expliqué. Ils peuvent à distance, ils peuvent à distance rentrer dans le système. On appelle ces gens-là les hackers. Ce sont des hackers qui à distance peuvent rentrer sur votre compte de bancaire, qui peuvent rentrer sur votre compte, quels que soient vos comptes, même pour les élections, et faire changer les choses, les manipuler à distance. Ils ont tellement de machines sophistiquées qu'ils le feront facilement. On les appelle encore les hackers. Ouais. Alors, ça a été... on a dénoncé cette pratique. Là, oui. Même aux États-Unis, il y a eu dénonciation. La preuve en est qu'aujourd'hui, j'ai dit Obama... qui reste tranquille là où il est. Le président Trump est en difficulté, notamment par rapport à ce genre d'agissement, tu vois. Il a voulu collaborer avec, disons, l'ennemi, on peut dire l'ennemi des États-Unis pour déstabiliser l'Amérique. Ça pose un problème. Mais nous, Katumbi ne viendra pas nous déstabiliser ici. Les choses sont claires, les jeux sont faits. Maintenant, il y a le combat pour avoir un score acceptable et faire grandir la légitimité, puisque la plupart des présidents des dernières élections, ils ont été élus légalement, ils avaient un pourcentage en dessous de 50%. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, que le président actuel, le sortant, puisse gagner les élections avec un score acceptable, autour de 55-57, sinon plus. Alors, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, comment est-ce qu'il est entré en possession de ces
de ces informations. C'est parce qu'il est. Mais il y a des renseignements. Gère les renseignements. Il y a des renseignements. Parce que les gens se demandent, il y a eu de questions. Comment est-ce que lui, il est entré? Est-ce qu'il n'y a, pas une connivence entre la CENI et les pouvoirs? Non, il a les services de sécurité avec lui. Non seulement la sécurité militaire, mais il y a la sécurité civile. Ça pouvait être les militaires qui ont des CELESS là, ou ceux de la service de sécurité des civils, l'ANER, qui pouvaient des CELESS là. On pouvait aussi, des États avec lesquels nous avons des liens solides, même si beaucoup de gens lancent certaines balivernes, on dit qu'il n'y a pas d'amitié. Il y a des amitiés même entre les États, selon les intérêts qu'il y a, il y a des amitiés. On peut avoir eu des renseignements, soit par la CIA, soit par le Mossad, qui est aussi une grosse boîte au niveau de... Ils peuvent alerter, ouais, bien sûr. Alors, Fabrice Pélédé, comment est-ce que vous avez perçu, vous aussi, de votre côté, cette dénonciation du vice-premier ministre de la Défense d'une fraude au niveau de la CENI pour tripatouiller le service informatique de la centrale électorale par un candidat? Madame, on dit très souvent que l'homme prudent voit le mal des lois. Je pense que, s'agissant des élections, nous connaissons qu'il y a des experts en manipulation dans le monde, en l'occurrence des États. Ici, je citerai la Russie et la Corée du Nord. Ce sont des États puissants sur le plan du système informatisé, voire même sur le plan de la cybercriminelle, parce que ce sont des gouvernements, ce sont des États qui prennent même le contrôle de certains gouvernements, des entreprises, des sociétés publiques et des sociétés privées, et qui en font usage pratiquement criminel, c'est-à-dire ils peuvent détourner un système informatisé de son objectif et l'orienter et le gérer d'une autre guise. Alors, ce qui est évident, ce sont des scénarios plausibles, ce sont des scénarios qui peuvent arriver à tout moment, mais le fait de dénoncer, le fait que le VPM puisse les dénoncer, montre aussi cette prudence-là que nous, l'État, nous devons jeter notre dévolu à travers de telles dénonciations. Ça va dérouter même ce plan-là, cette dénonciation. Justement, puisque les élections, c'est un ancrage majeur dans la démocratie d'un État. C'est-à-dire, c'est un nouveau système qui s'imprègne pour avancer le pays à travers des nouveaux représentants, et c'est pour 5 ans. C'est-à-dire, c'est la politique du pays qui risque d'être mise en brille si aujourd'hui nous sommes infiltrés informatiquement et à produire des élections qui ne sont pas conformes à la volonté populaire. Donc, je pense que c'est une alerte majeure. Nous devons être prudents là-dessus. Et par la même occasion, je dirais aussi que la CENI devait mettre en place des éléments existentiels pour permettre à ce que la lucidité puisse être transparente. Parce qu'il y a aussi un souci en rapport avec les accréditations des témoins. Je ne sais pas, mon co-débatteur, il est candidat. Jusqu'à l'heure où je parle, à mon avis, ça pose problème. Parce que nous l'avons attendu jusqu'à hier soir. Il n'y a rien eu. Bon, on ne sait pas comment nos témoins vont se présenter dans les bureaux. Comment nous aurons des garanties que nous avons remporté les élections. Puisque là, je vous dis la vérité. Moi, j'ai mobilisé sensiblement ma base. Je suis descendu sur les terrains. Nous avons battu campagne dans les médias. Mais si on ne détient pas les éléments pour prouver tout cet engouement que nous avons sensibilisé et mobilisé notre population, nous serons même dans les difficultés. Alors, je ne sais pas si mon cas est particulier, mais à ce que je sache, c'est déjà un défaut pour avoir la sérénité d'un résultat cohérent. Parce qu'après ça, il y aura des instances judiciaires qui vont battre son plein. Il y a des gens qui vont porter les uns, qui vont aller dénoncer les autres, soi-disant qu'ils ont gagné et que le résultat a été arraché. Mais comment démontrer tout cela? On a encore une journée, est-ce que peut-être en cette journée... Non, mais justement, la CENI est en train de minimiser un peu les choses, dire qu'on a encore une journée. J'ai suivi quelqu'un qui a CENI parler, qui au cours d'une journée, on peut tout faire. Non, mais là, ce n'est plus une journée, ce sont des heures. C'est-à-dire que la journée d'aujourd'hui, c'est heures. Quelques heures. Alors, moi, je me suis réveillé vraiment avec cette crainte-là. Hier, je me suis séparé avec mon équipe presque à minuit. On a attendu, il n'y a rien eu. Bon, j'ai l'air dit, comme vous dites là, la nuit porte conseil, allons dormir, le matin, on verra. Heureusement, je commençais avec vous. Peut-être qu'à travers cette émission, nous allons lancer cette alerte-là. Les candidats ont besoin d'avoir des éléments de preuve, c'est-à-dire
avoir des conditions pour mettre leurs témoins dans une situation où ils pourront récolter suffisamment de preuves pour que votre électorat ne soit ni contesté, ni confisqué, ni encore moins mis en cause. Mais voilà, alors on revient sur la question des fraudes, hein, des tripatouillages de système de la CENI par un candidat, comme a dénoncé le vice-premier ministre de la Défense. Est-ce qu'un individu peut le faire? Est-ce que ce n'est pas trop gros pour un individu? En tout cas, à moins que l'on sorte de l'ordinaire, ce qui est vrai aujourd'hui, l'influence politique autour de Félix Tshisekedi, la coalition autour de Félix Étienne Tshisekedi, la population qui se dresse autour de Félix Tshisekedi, je doute fort que les candidats dont vous parlez puissent faire écho. Puisque ce qui est vrai, la volonté de la population s'est matérialisée du jour au lendemain. Hein. Vous savez, hier, je suis passé vers les centres financiers. Mais mon Dieu, je me suis dit que si c'est cette image que le Congo projectera désormais, mais il y aura maintenant l'immigration dans le sens inverse. Je me suis crié à Dubaï, je me suis crié dans un pays qui n'est pas africain. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des éléments, des signaux. Il y a la volonté qui a été imprimée par ces gouvernements, puisqu'il ne faudrait pas oublier que c'était un gouvernement de cacophonie, c'était un gouvernement de catastrophe où il fallait composer avec les partisans de l'ancien régime, puisqu'il y avait Kabila seul qui était parti, mais son corps absolu, sa structure était restée, et cette structure a composé avec Tshisekedi. Vous avez vu les bâtons dans les roues, vous avez vu même cette révolution institutionnelle qui s'est opérée dans l'Assemblée où la majorité a basculé. Donc madame, je vous dis, ce n'était pas facile, alors que cette fois-ci nous voulons aller vers un gouvernement qui sera consolidé par une majorité parlementaire, où le président de la République, à travers la volonté qu'il a manifestée dans ce quinquennat turbulent, cette fois-ci prendra à bras le corps les enjeux majeurs du pays, à travers un parlement qui lui sera confortable et un gouvernement qui ne souffrira pas de la majorité, qui aura tous les atouts pour permettre à ce que nous puissions parler aujourd'hui du développement. Tout au début, vous avez dit ici, vous avez vu le ton que le chef de l'État a pris. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'infiltration était sérieuse, même au niveau des institutions. Mais aujourd'hui, nous allons vers un formatage institutionnel, un renouvellement de cette classe politique. C'est pourquoi j'invite encore mon aîné, mon co-débatteur, faites confiance aux jeunes. Vous savez, il y a une nouvelle dynamique. J'ai aimé l'exemple que vous avez donné en 1960. La classe politique était en moyenne à 30 ans. Mais ces gens-là ont fait quelque chose. Ni c'était la dictature de Mobutu qui a confisqué le pouvoir. Mais le pays était, pendant les 5 ans, dans la bonne direction, avec la constitution de Lulabourg, qui devait être un chef-d'œuvre africain. Malheureusement, Mobutu, avec ses complices, la communauté internationale n'ont pas voulu que les choses aillent dans ce sens-là. Évidemment, il y avait la guerre froide dans le monde, où l'Occident devait imposer des dictateurs pour contrôler l'Afrique. Voilà ce qui a fait qu'il y ait ces dérapages, ces dérouages de la vraie vision et de la bonne direction. Mais vous savez, nous les jeunes aujourd'hui, surtout nous, nous sommes de la génération sacrifiée. Nous avons compris qu'est-ce qu'il y a comme enjeu majeur pour qu'un pays prenne son essor. C'est l'indépendance économique. Mais économiquement, nous ne sommes pas indépendants, il faudrait qu'on se le dise. Mais nous, on a levé tout tabou. Pourquoi un Français, un jeune Français, un jeune Américain qui a fait l'université comme moi doit venir contrôler mes richesses? Du moment où nous parlons aujourd'hui de l'autodétermination de chaque peuple dans le monde. Parce que, de par même son fondement, à travers l'Organisation des Nations Unies, l'émancipation des peuples est garantie à travers la souveraineté. Donc, je pense que cette nouvelle génération aura apporté quelque chose tout autour des chefs de l'État, surtout avec cette injustice de la guerre à l'Est. Et heureusement que le chef de l'État a dit lui-même que s'il y avait ne fût-ce qu'une seule balle... C'est d'ailleurs notre deuxième sujet. Nous allons... Oui, pour ne pas anticiper, sujet, mais ça va à cheval, en fait. Pelende, c'était le chef de l'État qui était face à la population à Kinshasa, clôture de la campagne électorale à Tchang. À moindre escarmouche, comme des rigolos qui se sont exprimés à Nairobi, je fais feu. C'est bref, en résumé, c'est que le chef a dit qu'il va réunir les deux chambres en congrès pour avoir l'autorisation de faire la guerre au Rwanda. Oui, c'est un point important, mais je voudrais quand même lever une certaine équivoque. Ou alors mon co-débatteur Fabrice Pelende ne m'a pas compris. Je n'ai pas fustigé les jeunes. J'ai dit que
mettre en avant le jeunisme, c'est-à-dire le fait d'être jeune, n'est pas suffisant. Tout comme on peut mettre en avant les femmes dans le gouvernement, les femmes dans toutes les institutions, ce n'est pas suffisant. Qu'il faut construire ce pays avec des valeurs, partant des valeurs. Vous avez cité les années 60. Vous n'étiez pas né, moi j'étais encore gamin, mais il y a des livres d'histoire qui vous expliquent les choses très clairement. Il faut croiser plusieurs écrits. On n'était pas bien parti, on était mal parti en 60. Il faut savoir que n'eût été l'apport de l'ONUC, des Nations Unies encore en 60, puisqu'un État est assis sur un socle. Ce socle-là, c'est l'administration. Vous apprendrez dans le bouquin, vous apprendrez auprès des gens qui ont vécu cette période-là, et vous diront que nous avons tenu grâce aux techniciens, aux conseillers étrangers qui ont tenu notre administration, puisque à l'indépendance, on n'avait pas un cadre dans l'administration, on n'avait pas un cadre dans l'armée, on n'avait pas un cadre dans la police. Donc il a fallu qu'on nous soutienne par les Nations Unies pour pouvoir mettre l'État sur les rails. Voilà la situation. Donc, on a eu du mal. Cette jeunesse était aussi jeune par rapport à sa façon de son savoir-faire. Ils n'avaient pas le savoir-faire. Comme ils n'avaient pas le savoir-faire, on était soutenu à un moment donné par les Nations Unies et par la suite, comme vous l'avez dit avec justesse, Mobutu est arrivé. Donc on a, malgré nous, traversé des zones difficiles. Jusqu'à ce jour, d'ailleurs, on continue à traverser cette zone difficile. Pourquoi nous n'avons jamais défini notre État, à savoir notre État, pourquoi faire, avec quelle administration, avec quel axe pour pouvoir faire qu'il y ait développement de ce pays et de nos populations. Je voulais lever juste cet équivoque. Pour revenir à l'intervention du chef de l'État, qui est candidat aussi, moi je pense qu'il a bien dit les choses. Là où il y a des souris, il y a déjà le chat. Donc le vice-premier ministre, ministre de la Défense, qui fait peur déjà, naturellement. Mais je pense qu'avec cette parole du président de la République, c'est pour dire qu'à tout moment, et moi j'ai toujours soutenu cela, il fallait qu'on aille aux élections. Après les élections, tout peut arriver. Les Rwandais doivent se prémunir. Après les élections, tout peut arriver. On peut attaquer même avant même qu'on ait réuni les deux chambres. On peut attaquer et ruiner le... C'est-à-dire quoi, il va faire ce qu'il n'a pas fait cette fois-ci. Comme il a dit lui-même, il en avait marre. Oui. Il ne pouvait pas faire. Plus stratégiquement parlant, il fallait... On ne va pas en guerre comme ça. Il fallait d'abord observer, mais non, il fallait d'abord former les gens, le jeune et le moins jeune, pour l'armée. Il fallait d'abord avoir des instruments, des guerres, c'est-à-dire des armes et autres. Il fallait aussi faire la diplomatie militaire et autres, la diplomatie normale, politique. Il a tout fait, il a préparé le terrain. Ici et aujourd'hui, à tout moment, surtout après les élections, le Rwanda devrait avoir peur, puisqu'on peut les attaquer, et de l'autre côté, on peut s'arranger que le Burundi les attaque aussi. Et lui, il va aller comme réfugié en Tanzanie ou en Ouganda, je ne sais pas. Donc ça, c'est sûr, c'est très sérieux. Puisqu'on ne pouvait pas le faire avant les élections. Le chef ne pouvait pas le faire avant les élections. Il a remis tous les moyens. Non, il veut glisser. C'est pour ça qu'il a attaqué. Il a été sage. Il a laissé le cours des choses aller, bon an, mal an, jusqu'à ce qu'on ait les élections. Après les élections, tout peut arriver. C'est-à-dire que c'était une stratégie pour lui. Ça a été une stratégie. Mais elle va s'avérer payante quand tout rentrera en action. Puisqu'aujourd'hui, on est prêt. S'il faut faire la guerre contre le Rwanda, ou alors pouvoir défendre notre territoire. Pour le moment, nous, on n'a jamais fait de l'offensive. Pour le moment, on a toujours été dans la contre-offensive. C'est-à-dire, on nous attaque, nous, on se défend. Pour le moment. Mais demain, les choses vont changer. Et il a raison de pouvoir prévenir. S'il a prévenu des concitoyens congolais, donc indirectement, il a prévenu le Rwanda et la société internationale. Il a cité normalement le Rwanda. Il a prévenu aussi le Rwanda. Mais oui, tout le monde. Donc, disons, le vin est tiré, il faudra le boire. Voilà, merci. Alors, Fabrice Félindé, vous avez perçu ce message lancé par le chef de l'État. J'ai beaucoup aimé le changement de ton. Parce que ce qui est vrai, trop, c'est trop. Il faudrait le dire aussi qu'il y avait une politique de dissuasion où notre armée devait par conséquent être réellement prête, puisque nous savons aujourd'hui si une guerre commence, on sait comment ça commence, quand ça commence, mais quand ça finira, personne ne sait. Mais ce qui est vrai, je ne vois pas l'issue entre
dans une guerre entre les Rwanda et la République démocratique du Congo, parler du Rwanda en vainqueur, ça serait vraiment utopique. D'abord, vu la démographie de nos deux pays, nous sommes pratiquement 10 fois plus nombreux que eux. Au niveau de la superficie, ils n'ont même pas des espaces pour se battre. Et aujourd'hui, avec la volonté et la détermination de notre armée, imprimée par le VPM Jean-Pierre Bemba, parrainé par le président de la République, je pense que tous les leviers sont en marche aujourd'hui pour faire cesser cette guerre injustement. Puisque ici, j'ai parlé de l'indépendance économique. C'est parmi les facteurs de base qui permettra à ce que notre pays puisse aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait aussi savoir combien est dépensé pour l'armée, pour la sécurité à l'Est. Alors que cette épée de Damoclès qui nous a toujours coûté cher aujourd'hui, si l'État arrivait à faire cesser cette situation de la guerre, mais je ne sais pas où serait le Congo dans cette situation où nous espérons tous que le Congo puisse retrouver sa dignité et regagner sa place en tant que grand pays africain. Cette législature va pour beaucoup d'enjeux. Ce qui est vrai, nous allons vers un air nouveau. Nous n'aurons plus affaire aux infiltrés, nous n'aurons plus affaire aux prédateurs. Et c'est comme je venais de le dire ici, cet renouvellement de la classe politique s'impose. Pourquoi ? Parce que nous avons eu affaire à de mêmes personnes, si je pourrais le dire ainsi. Nous arborons toujours le même cacique, les mêmes personnes qui sont transhumants. D'ailleurs, depuis Mobutu, on a des visages aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, qui continuent à apparaître. Ouais. Mais attendez, mais c'est toute une génération, je dirais même des générations, qui ont grandi à la République démocratique du Congo en voyant les mêmes personnes et en écoutant le même nom. Mais c'est aussi un équivoque qu'il faut relever. Je ne fustige pas votre commentaire parce que votre critique est certes réfléchie, puisque vous êtes né, peut-être que les réalités que vous avancez, je ne les maîtrise pas. Mais ce qui est vrai, nous devons aller vers autre chose. Nous devons aller vers un nouveau dynamique, une nouvelle vision pour voir les choses. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, tous ces vieux-là qui sont nés vers les années 70, 60, 50, ne savent pas manipuler l'ordinateur. Tous ces jeunes qui sont nés à 80, 90, 2000, ils savent manipuler l'ordinateur. Tous ces vieux-là ne savent pas ce qu'on appelle jeux vidéo, ils appellent ça Nintendo. C'est pas tout le monde, hein. Non, j'ai vu des exemples banals, c'est-à-dire que j'ai vu des vieux qui... Il y a une génération qui a autre chose dans la tête. C'est pas tout le mais monde. Mais là, c'est un outil. S'il vous plaît. Mais ce qu'on demande aux gens, si c'est d'avoir la caboche. Si vous allez au casier judiciaire, vous verrez qu'on prend des empreintes archaïquement, il faut mettre des goudrons, tout ça. Mais ces gens-là peut-être trouvent ça que c'est une technologie adaptée pour eux. Mais moi, je sais que c'est obsolète, c'est archaïque. C'est-à-dire on ne peut jamais faire la même méthodologie avec des moyens anciens. Nous voulons apporter autre chose. Nous avons aussi nos idées à nous, notre façon de voir les choses. Comme je dis, un jeune de même âge que moi, qui finit en Harvard, moi je finis à l'Unikid, il n'a pas de plus-value que moi. Ah oui. Il ne peut pas me contrôler. Oui. On ne peut pas accepter d'être soudoyé et contrôlé parce que ils sont soi-disant... d'une capacité peut-être supérieure en quoi on ne sait pas. Donc, côté nous voulons l'égalité de tous les peuples dans le monde. Côté technique. Voilà. Aujourd'hui, la technologie, c'est à la portée de tous. Oui. Mais il y a des technologies aujourd'hui qui posent encore problème. Voyez comment on construit les routes. Il y a encore des grands engins aujourd'hui. Mais aller dans d'autres pays, ce sont des petits engins. C'est-à-dire que chaque génération a sa réalité. Donc, j'invite le peuple congolais demain à prendre ses responsabilités. À amener au pouvoir. Alors, nous sommes dans les discours, des dans discours de réunir deux chambres de parlement pour avoir l'autorisation de faire la guerre à la République démocratique du Congo. À vous entendre parler, selon vos analyses, c'était quoi le premier mandat? C'était pour l'observation, pour filer les stratégies. Et bien voilà, le deuxième mandat, on y va à l'action. Moi, j'ai toujours dit, madame, ce quinquennat, pour moi, a eu l'impression d'être une transition politique. Parce que tout a été en rétro-pédalage. Tout a changé de camp. Le pouvoir politique, le pouvoir juridictionnel, c'est-à-dire même au niveau des acteurs, c'était une espèce de transition politique où, n'oublions pas, depuis l'invasion de l'AFDEL, nous avons connu un pouvoir qui a eu des connotations vers une tendance de l'Est, le pays de l'Est, le Rwanda, l'Ouganda, et tous ces pays que nous connaissons. Mais les élections de 2018 nous ont permis du moins de récupérer ces pouvoirs présidentiels. Mais le travail n'est pas fini.
Il faut aller maintenant vers un démantèlement systématique. C'est-à-dire faire partir tout ce qui ont composé avec l'ancien système. Aller vers une nouvelle hégémonie politique où on ne parlera plus de l'infiltration, on ne parlera plus des députés en connivence avec des groupes armés, comme le président de l'Assemblée l'avait dit, où on aura une dynamique où on ne fera plus face aux mêmes personnes. Parce que ces personnes-là, aujourd'hui, n'ont plus rien à donner. Qu'est-ce qu'ils auront à donner? Des fois, même quand je passe, je regarde les images de ces personnes-là sans pour autant vouloir citer les noms. Je me dis, mais est-ce qu'ils n'ont pas honte, ces gens-là? Avec le propre qui a tout autour d'eux, ils arrivent quand même à postuler. Et j'ai eu par la même occasion l'esprit de comprendre qu'il y avait des nominations au niveau des élections. Parce que le courage avec lequel ces gens-là battent campagne et la réaction directe de la population, c'est-à-dire la réaction publique, nous dresse un portrait sombre et macabre. Mais ces gens-là sont candidats. En tout cas, si les résultats étaient proclamés et que ces gens-là que nous connaissons reviennent encore dans ce gouvernement, c'est qu'il y a un problème sérieux dans ces pays. Gandhi Bokabo. Oui. Ou bien même au Parlement. Le chef a haussé le ton hier. On a senti un Félix Tshisekedi très déterminé par rapport à la situation de la guerre à l'Est. Est-ce que ça va faire peur à l'ennemi? Non, mais il a commencé par le problème interne. Le problème, c'est que Fabrice vient d'évoquer là par rapport aux gens qui sont là depuis deux générations au moins, mais qui n'ont rien foutu ou qui n'ont rien fait en bon français. Le président de la République l'a évoqué quand il était dans le Kassai, je crois. Il a dit que ces gens-là ne lui ont pas rendu la vie facile. Ces députés-là ne lui ont pas rendu la vie facile. Il a même recommandé aux populations de tout faire pour pouvoir le mettre hors d'état de nuire, de renouveler la classe politique, qu'il soit jeune ou moins jeune, c'est-à-dire que tout le monde qui a un idéal pour pouvoir contribuer à faire que ce pays avance, aille de l'avant, que nos populations puissent se retrouver. Donc j'espère que dans ces genres de discours aussi, qui prendra compte pour mettre en place un gouvernement. J'espère qu'il aura un gouvernement de moins de 30 ministres. Ce serait très intéressant d'avoir moins de 30 ministres, autour de 25, voire même moins. Il faudra aussi que pour nommer les mandataires, qu'ils ne prennent pas les gens qui viennent des partis politiques, qu'ils prennent des techniciens, des gens qui ont une expérience avérée ailleurs ou ici, ou alors les deux. Donc il faut prendre des gens qui ont déjà fonctionné dans l'administration, des affaires, que ce soit dans le privé, que ce soit dans le public, pour pouvoir contribuer au niveau des entreprises para-étatiques ou étatiques. Donc je pense qu'il va changer de fusil d'épaule. S'il ne le fait pas, donc il faudra qu'il s'en prenne à lui-même. Avoir moins de 25 minutes, ça nécessite une cohérence. Comme par exemple l'éducation nationale. On n'a pas besoin d'avoir trois ministres. On a besoin d'avoir une bonne administration solide avec les secrétaires généraux. Avoir tous les trois ministères de l'éducation sous la coupole d'un seul ministre, auquel il faudra ajouter jeunesse et sport, puisque ça va de pair. Les jeunes et les sports, ça va de pair. Donc l'éducation complète, intellectuelle, mais aussi l'éducation en physique. Alors, donc, vous répondez à ma question. Votre question, c'était par rapport à le ton qui les chefs a aussi. Est-ce que ça va vraiment faire peur du côté de l'ennemi? Mieux vaut tard que jamais. Moi, je pense que vous ne mesurez pas ce que ça peut faire. C'est pas la première fois qu'il intervienne. Mais c'est peut-être cette fois-ci où il a dit les choses beaucoup plus clairement. Quand le vice-premier ministre, ministre de la Défense est arrivé, il y avait déjà des bousculades au niveau du Rwanda. On a changé même au niveau des staffs dirigeants, on a changé pas mal de personnes. C'était tenu compte de l'arrivée de vice-premier ministre, ministre de la Défense, qui fait peur. C'est comme s'il y avait des souris dans la maison, on fait rentrer un chat, ouais, c'est la panique. Donc aujourd'hui, le fait que le président vienne pousser encore plus loin le bouchon, ça rassure non seulement le peuple congolais, ça nous rassure tous en fait. Mais quand ça nous rassure, de l'autre côté, c'est pas évident. De l'autre côté, c'est plutôt l'effet contraire. D'autant plus que les voisins du Rwandais, de l'autre côté, le Burundais, ils commencent à se manifester dans la rue contre le Rwandais. Il y a eu ce week-end une population burundaise qui est descendue sur les terrains. Donc ce sont des signes des temps qui ne trompent pas. C'est des signes des temps qui démontrent que dans les jours, les semaines et les mois à venir, il y aura des choses qui vont se passer pour nous contre ces États-là.
Et c'est beaucoup plus. Non, on doit s'attendre à un changement. À un changement, ça c'est sûr. C'est, le changement c'est aujourd'hui ou jamais, tu vois. Mais le changement c'est maintenant. Il faut que le président puisse se débarrasser de toutes les brebis galeuses et qu'il mette en place un staff de dirigeants cohérents, compétents. C'est-à-dire une équipe experte au niveau de la présidence. S'il y a des choses à étudier, qu'il favorise la création des agences extérieures à l'État, qu'ils fassent des études et puis qu'ils donnent, ils sont payés par rapport à leurs études, etc. Pas pouvoir avoir de personnel permanent qui passe son temps à circuler dans la ville de Kinshasa. Tu vois les voitures de présidence dans tous les quartiers. Donc, dans tous les quartiers, mais dans le bureau qui est resté, qui réfléchit pour pouvoir aider le président à aller de l'avant. Pas beaucoup de gens. Je dirais, par exemple, quelque chose que je n'ai jamais entendu des autorités, que nous, nous dépendons à plus de 70% de nos matières premières. Vous savez que nos matières premières, on les retrouve au niveau des fonds marins, dans ce qu'on appelle les cristaux en verre, les nodules polymétalliques. J'ai essayé de relancer les députés, les membres du gouvernement, pour qu'ils puissent en parler, discuter. Parce que demain, on peut se retrouver non seulement avec des produits synthétiques, mais on peut se retrouver aussi avec ces produits exploités au niveau des fonds marins qui ont une forte teneur par rapport à nos produits. Mais qu'est-ce qu'on fait de nos cuivres, de notre cobalt, etc. On serait dans la merde. Il faut des gens qui réfléchissent sur l'avenir, les 5 ans, les 10 ans, les 15 ans à venir. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Quand il y en a, on ne les entend pas. Ça pose un problème. Merci. Merci, Gandhi. Alors, nous sommes arrivés à la fin des élections. Voilà, monsieur, c'est déjà demain. Il y a même des voix qui sont levées pour dire que les candidats, présidents de la République, doivent lancer des messages de paix, des messages d'apaisement. Et moi également, je vous donne l'occasion de lancer, c'est vraiment nécessaire, de lancer des messages de paix, d'apaisement à la population qui ira demain aux urnes pour élire non seulement le président de la République, mais les députés nationaux et provinciaux, ainsi que les conseillers communaux, municipaux, communaux. Oui. Alors, quel est votre message? Le message, c'est de faire déjà comme nous. Quand on débat ici, en général, des fois, on n'a pas les mêmes positionnements. Là encore, aujourd'hui, on est plus proche. Mais habituellement, on est très opposé avec nos co-débatteurs. Mm. Mais pour autant, après le débat, on se salue, on rigole ensemble. Comme le président de la République a démontré aussi, quand ils sont allés à la CENI, la façon dont, chaleureusement, il a salué Fayoulou. Oui. Moi, je pense que ce sont des exemples qu'il faut suivre. Il ne faudra pas que nous, on s'étripe, on puisse s'empoigner, puisque je n'ai pas réussi, puisque, etc. L'UDPS nous a montré aussi l'exemple. Ils sont restés près de 32 ans dehors, sans être au pouvoir. Ils ont milité, ils ont continué à militer. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Demain, c'est peut-être quelqu'un d'autre, peut-être d'autres groupes, etc. Donc, il faut qu'on reste proche. Et il faut qu'une des valeurs qui puisse dominer aujourd'hui, même dans le gouvernement, même dans les institutions, une des premières valeurs, c'est l'amour. L'amour de la patrie, l'amour de ses concitoyens. Quand il y a déjà l'amour, on peut bien faire les choses pour ces populations, pour cet État. Merci Gandhi Bokabo. Fabrice Pédendé, votre message de fin aussi. Oui, pour conclure, madame, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux qui nous attendent vers cette législature. Ce qui est vrai, la législature passée a coûté cher à l'État. Vous avez vu qu'il y a eu des donations outrancières, des exigences financières exorbitantes, mais pratiquement qui n'a rien produit à la population. Et nous savons qu'il y a des réformes sérieuses qui nous attendent dans cette législature qui va bientôt commencer. Et nous voulons aussi qu'il y ait cessation du pléthorisme ministériel, c'est-à-dire le nombre de ministères qui étaient exorbitants, qui étaient dus aux accords formatés par Kabila, il fallait ajouter ceci. Vous voyez un seul ministère, des vieux ministères de l'Intérieur, ministère de l'Aménagement du Territoire, ministère de la Détransition, c'est un seul ministère. Donc il fallait seulement plaire aux gens qui étaient à la tête des AA, des BB pour former un peu cette mosaïque. Nous voulons plus de cela. Comme le co-débatteur l'a dit, le ministère doit être restauré dans ses anciens formats, où on avait tout au plus 30 ministères. Parce qu'on ne peut pas parler des ministères comme même de l'agriculture d'un côté et parler du ministère du pêche et élevage de l'autre côté. C'est absurde. C'est-à-dire que c'était pour satisfaire les appétits. Comme nous aurons une majorité confortable, où nous n'aurons pas besoin de beaucoup d'alliances, ce sera l'Union sacrée dans son format excellé. Nous voulions qu'il y ait... Il n'y a pas encore le vote, hein.
faut attendre, non? Je ne sais pas encore qui sera élu. Des messages de paix, c'est tout. Puisqu'on n'aura pas à... C'est ça ma question, des messages de paix que vous pouvez lancer à... Ça va dans le même ordre, le message de paix est que la CENI nous a amenés jusqu'à Bonport. Il nous reste maintenant les débarquements où nous allons atterrir dans la paix, d'abord à travers l'expression de ces élections. Cette paix qui s'imprimera de ces élections garantira aussi la paix qui sera résolue pour 5 ans. Merci Frère Félendé. Pour citer, je pense que le dernier message que je lance, notre population doit être vigilante à ne plus voter. La campagne est finie. Merci, qui n'est pas crédible, et amener une nouvelle génération au pouvoir. Pour l'intérêt et l'avenir de notre pays. Merci beaucoup pour l'invitation, madame. Merci, monsieur Gandhi Mukabo. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs de Kiosque. Je vous retrouve demain à la même heure, le jour du vote. Au revoir.